Heureux, c'est Aquilon, toujours sur la bêta de SimCity, le tout dernier, donc le reboot. Et je voulais absolument faire partager ce grand moment parce que ça fait très exactement 10 minutes, oui, je regarde ma montre, ça fait 10 minutes que je suis devant cet écran de chargement. Voilà. Donc j'ai dû rebaisser à nouveau les graphismes au minimum. Et voilà, j'attends. Sachant que mon PC est pas dernier cri, mais enfin c'est pas non plus la dernière bouse du monde, c'est-à-dire qu'il est quand même capable de faire tourner Dishonored en ultra. Bon. Ça me fout un peu les boules de me retrouver devant un écran de chargement. Et puis alors dans les astuces de jeu, on peut voir des choses assez intéressantes. Là, il n'y a pas, mais tout à l'heure, je sais plus sur quoi j'étais tombée, mais. Ça indiquait un côté très Sims 3 dans l'âme avec de nouveaux trucs à acheter. Et compagnie, hein, on attend le shop, SimCity Shop ou un truc comme ça. Je veux pas faire ma mauvaise langue, mais ça m'étonnerait pas que ça voie le jour. Donc écoutez, je vous reprends quand le jeu sera lancé, hein. Voilà, on va faire ça comme ça, s'il se lance un jour. Tout de suite. Oh, la musique reprend. Oh, ah, en attente. Oh, ah, chargement de la ville. Ouh, ah. Bon, allez, moi j'y crois plus, donc à tout de suite. Si ça compte dans mon heure de jeu. Je crois que je vais aller plastiquer EA. Ouais. Je commence franchement à désespérer là. Vous aurez sans doute fait un petit montage sympa avec marqué 20 minutes plus tard, mais enfin bon. Voilà, ça fait 20 minutes que j'attends. Toujours rien. En attente. Ah oui, vous aussi? C'est marrant ça. On a beaucoup de points en commun. Enfin bon, je me suis souvenu de ce que je voulais vous dire tout à l'heure qui faisait vraiment casu. C'est. Si vos amis n'ont plus de ressources, vous pouvez toujours leur en envoyer. Ça leur fera plaisir. Faites-leur un cadeau. Voilà. SimCity. Cityville. Bon. Bah. Si le jeu finit par charger, on se retrouve en jeu et. Sinon, bah écoutez, je vais abandonner d'ici une petite quinzaine de minutes, parce que bon. C'est pathétique. Putain, mais sûrement il y avait une barre de chargement, quoi. Je sais pas, c'est pas la mort de mettre une barre de chargement. Au moins, on sait où on en est, on sait si on a progressé, ou si un jour, peut-être, on a une chance de voir la ville, ou si c'est foutu, terminé, ou si on doit aller faire quelque chose, je sais pas, moi, genre apprendre le petit Larousse par cœur, ou devenir maître ninja, ou je sais pas, un truc qui prend bien 25 ans, ou rester devant son ordi comme une abrutie comme moi, là, Putain. Moi, dans les Sims 3, les chargements étaient des fois un peu longs, mais au moins on avait une barre de chargement quand on savait où on en était. Merde! Là, j'ai même pas quitté mon écran en me disant peut-être que je vais pouvoir enfin jouer. Il faut surtout pas que je gaspille une seule minute de mon heure! Oui, je pète un câble. Mais clairement, là. Bon, bah comme d'habitude, hein, on se retrouve peut-être en jeu ou peut-être que vous aurez une vidéo spéciale chargement. Bah voilà. À tout de suite en tout cas. On ne restera pas là. Quelle loose. J'ai même pas d'amis en plus à l'origine pour partager mon malheur, discuter, faire quelque chose. À votre avis, est-ce que je dois reporter ça à IA comme un bug? Oh, mais quelle merde!
Bon bah écoutez, je suis vraiment désolée, c'était la vidéo de la loose. Je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui regarde ça à cette heure-là, mais bon. Bah écoutez, je crois que je vais arrêter là. Je resterai demain de lancer le jeu, on verra bien. Là j'avais commencé à 23h30 et bah vous pouvez le voir, il est minuit et demi. Voilà voilà. Donc ça suffit pour moi là, c'est bon, j'en ai ma claque. J'espère que demain le jeu se lancera et bah. Et sinon, c'est la fin de mon aventure sur SimCity. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. En tout cas, si t'as survécu jusqu'ici à cette vidéo, je te suis très reconnaissant. C'est vraiment une très grande preuve de solidarité. Et ensuite, eh ben, finalement, tu peux peut-être t'estimer chanceux de pas avoir eu de clé bêta si t'en as pas eu. Parce que finalement, c'est plus une malédiction qu'autre chose dans mon cas, alors. Je suis dubitative. Je suis vanille aussi. Bon, je vais arrêter de dire des conneries, je vais mettre fin à cette vidéo. Portez-vous bien et je vous conseille franchement d'acheter SimCity 4. Il est encore pas cher dans le commerce et c'est un excellent jeu. Voilà, ciao.